Hey guys, on est dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo, try a haul, un peu comme d'hab. Alors, bon, je tiens encore une fois à m'excuser de ma longue absence. Là, c'était les vacances. J'avais pas le temps de faire les montages, pas le temps de poster. Oublie aussi un petit peu. Little. Et surtout, j'avais besoin aussi de prendre du temps pour moi, de me reposer, etc. Donc là, on part sur un petit try a haul, une Shine pour mon anniversaire. Donc, à l'heure où cette vidéo sortira, mon anniversaire sera passé, c'était le 14 septembre. Merci à ceux qui me l'auront souhaité, même si je pense que dans ma communauté, personne ne me l'aura souhaité. Mais voilà, c'était le 14 septembre, donc au pire, vous pouvez me mettre un petit joyeux anniversaire dans les commentaires. Ça me dérange pas. Moi, je suis pas très superstitieuse pour les anniversaires en avance, oui, mais pour en retard, non. Donc, c'est parti, on va commencer. Et je pense à 100 ans. J'ai le nez un peu bouché, donc désolée si je parle un peu du nez. Ouais, du coup, ma commande d'anniversaire. Et moi, je suis super contente parce que. Vraiment, je l'attendais avec impatience celle-là. Plus que les autres. Vraiment plus. Je vais commencer avec ça. C'est du blanc. Je crois que c'est ma robe. Donc, c'est parti. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Je suis trop bête. En plus, j'y ai pensé. Là, je suis sur une chaise. Parce que je fais des petites modifications dans ma chambre. Mon lit, je pense que je vous l'ai déjà dit plein de fois. Il est cassé. Donc, ça y est, j'en change enfin. Du coup mon matelas en fait il est par terre, donc je pouvais pas faire une vidéo par terre, ça allait pas être ouf. Du coup je me suis mise sur ma chaise. Bon, je pense que c'est un cadre que vous avez dû déjà voir. Bref, sans plus tarder, on va faire ça. Hey, c'est bon, j'ai pas la patience. Hey. Oh. Verdict. Est-ce que c'est une robe? Oh my god, elle est trop belle. Regardez sa beauté. Bon, je vais l'essayer, c'est parti. Oh, je suis revenue sur terre. Ouh. Donc j'ai essayé la robe, bon, j'ai gardé ma brassière de sport en dessous puisque j'avais la flemme de l'enlever. Du coup, je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, je pourrais pas monter sur ma chaise parce que là, je vais me casser la figure en fait. Donc je vais juste m'éloigner. Franchement, je la trouve super belle. Donc, le derrière, par contre, elle est très basique. Mais franchement, elle est canon. Il y a mon chat qui tape la prise dans mon carton Shine, mais je suis tranquille. Bon, on va passer au deuxième article. Franchement, là, j'adore. Je la note super bien. Mais j'ai l'article, il n'y a rien dans mon article. Bah, en fait, il n'y a rien. C'est très bizarre. Il y avait un bien colis que je n'ai pas vu. Je redescendrai après pour faire. Parce que je vous jure, quand je vous dis qu'il n'y a rien, il y a deux vêtements en fait dans mon. Mon truc, c'est pas problématique. Bref. Passons. Oh ouais, elle est incroyable. C'est une jupe. Elle est vraiment, vraiment belle. Bon, en fait, là, on voit pas trop. Mais il y a une fente devant. Mais on voit pas trop. Bon, je vais essayer pour que vous voyez mieux. C'est parti. Ok, donc je l'ai essayé. Donc je vais vous montrer, donc du coup comme je vous disais j'ai ma brassière de sport, donc j'avais la flemme de l'enlever tout à l'heure. Elle est comme ça, franchement je la trouve super belle, là il y a la forme devant, comme je vous disais tout à l'heure. Franchement, canon, j'adore. Pour ceux qui me connaissent, vous connaissez sans doute mon amour pour les jupes longues, donc vraiment elle est incroyable. Bon, par contre je me suis pilée les jambes hier. Du coup ça fait super bizarre, mais bon après ça va repousser, donc ça va faire... normal, donc on va continuer. Ça c'est vachement lourd, c'est quoi? Déjà la matière. Bah wesh. Ah mais j'avais oublié que j'avais commandé un jeans. Oh là, il a l'air bien grand. J'ai commandé un jeans pas dev. C'était pas drôle. Il est super beau. J'ai juste envie de l'essayer maintenant, donc je vais l'essayer tout de suite parce que j'ai hâte. Ok, donc je l'ai essayé, franchement j'adore, je suis in love. Je le trouve juste sublime, donc je vais vous montrer. Bon, il est un petit peu large, enfin large, je veux dire grand. Je sais pas, bon désolé pour les gens qui sont phobiques des pieds, c'est pas mon cas. Donc voilà, je vais vous montrer parce que franchement il est super beau. Donc là on voit bien. C'est rare qu'un jean sur internet il m'aille parce que moi j'ai une silhouette pas facile, mais du coup là il est trop grand. Mais honnêtement, il est trop beau. Enfin, moi perso, je suis une love. Et du coup, le dernier article, mais franchement, j'ai pas compris là. Faut que je vais redescendre tout de suite à la boîte aux lettres, je vous enverrai avec moi. Il y a un problème.
Et au pire, demain, si jamais j'ai la partie 2 du colis, je ferai cette vidéo en fait en deux parties. Mais en une partie, genre vous verrez une vidéo, mais moi je l'aurai faite en deux jours. S'il n'y a pas d'autres colis dans la boîte, mais là, ça m'étonnerait que je ne l'ai pas vu, genre s'il y avait un autre colis. Je redescendrai. Ça me paraît bizarre. C'est bizarre cette histoire. Et du coup, cette fois, c'est un pyjama avocat parce que je le trouvais trop mignon. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, petit bas et petit haut. Franchement, il est trop mignon. Et j'adore la matière. Ah, regardez-moi ça, c'est trop mignon. Voilà, je vais l'essayer puisque j'ai hâte. Ok, je viens d'essayer, ça fait bizarre. Bon, je suis in love, comme d'hab, j'adore. C'est un petit peu grand ici, ça baille, mais franchement c'est pas grave, c'est un pyjama. Mais regardez-moi ça, c'est trop mignon, c'est en satin, j'adore. Franchement, juste pour vous dire, ok il y a des vêtements sur Shein, vaut mieux pas et tout. Mais les pyjamas, vous pouvez y aller les yeux fermés, franchement ça coûte 2€. Et franchement vous avez un pyjama juste trop kawaii et trop mignon. Adorable, regardez-moi ça. Ouais, je vais descendre tout de suite à la boîte aux lettres pour venir avec vous. Et sinon, ce sera demain. Ok, donc du coup, comme je vous ai dit, je vous emmène avec moi descendre à ma boîte aux lettres. Il y a de l'orage dehors, donc bon, c'est pas grave. Mais bon, tranquille, il y a de l'orage. Mais bon, vénitude. Ah oui, voilà, je vous annonce juste ça. Mon cochon d'Inde est mort aujourd'hui, c'est le 26 septembre. C'est mercredi 6 septembre, excusez-moi, 7 septembre. Voilà, je tenais juste à vous le dire, j'ai oublié. Et c'est en revoyant sa cacage que je l'ai vu. Bref, je vais y arrêter sur ce que c'est un peu gênant. C'est le verdict. Ok, bon, bah ce sera demain. Je suis dégoûtée parce qu'ils m'ont dit que tout était livré, donc je sais pas, il n'y a pas eu de problème avec ma commande. Parce que mes vidéos, c'est pas en partenariat, vous voyez, c'est pas partenariat. Donc bon, je paye. Et c'est quand même... là, j'ai eu 140€ de commande. Donc j'espère qu'ils ont pas fait une erreur de commande ou un truc bête. Qui pourrait vraiment m'énerver, parce que ça, c'est le genre de choses qui m'énerve fort. Voilà. Hello, bon, nouveau cadre. Parce que du coup, je suis chez mon père cette fois-ci pour la partie 2 de mon haul, try and haul Shein. J'ai un drap bleu, oh mon dieu ça change. Bon du coup j'ai tout mis à côté. Parce qu'en fait j'ai commandé plein d'accessoires. Genre des coques de téléphone et tout ça. Donc j'ai commandé ces deux coques, une que j'ai sur mon téléphone. Et j'ai commandé vraiment plein d'accessoires pour changer. Parce que d'habitude je commande toujours que des fringues. Et j'ai commandé un autre truc. Mais bon c'est des culottes quoi, je vais pas vous montrer des culottes. Mais c'est juste parce que c'était pas cher et du coup j'en ai profité. Donc les colliers, bon, franchement je les paierai pas, je les mettrai demain, les bijoux. Peut-être je vous ferai un petit truc, les bagues, tout ça. Mais j'ai commandé vraiment des beaux trucs pour une fois. Ok, donc on va tout de suite commencer sans plus tarder. En fait j'ai commencé avec ça parce que c'est vraiment ce avec lequel j'ai le plus hâte. Et juste vous allez me dire, mais elle a un lit, pourquoi elle filme pas avec son lit cette Google? Mais parce qu'en fait j'ai pas de ring light chamber. Voilà, bref, donc on va commencer avec ça. C'est des joggings. Ils sont juste incroyables. Regardez-moi ça. Ils sont juste trop beaux. Vraiment, je suis love. In love. Plus in love que ça, tu meurs. En plus, ça a l'air grave chaud. Ça a l'air. Vraiment, la texture est trop bien. Je vais les essayer sans plus tarder. Go! Bon, j'en ai essayé un sur les deux parce que c'est les mêmes. Du coup, bah, j'allais pas essayer les deux. Je trouvais que ça servait un peu à rien. Juste, je meurs de chaud. Et aussi, comme vous avez dû le voir au début de la vidéo, j'avais la jupe que je vous ai montrée du coup dans la partie 1, entre guillemets. Enfin, que vous avez vu tout à l'heure dans mon trial haul. Donc, je vais vous montrer le jogging. Il est vraiment beau. Mais par contre, au niveau de la taille, bon, on est bien. J'en sers bien à la taille et tout. J'en ai super bien taillé. Mais il est un peu large, je trouve. Mais franchement, il est trop beau. Oui. Franchement, moi je suis fan personnellement. On va enchaîner avec. Je prends au hasard, mais je vois du noir et j'ai envie de faire du noir. Je me souviens plus trop de ce que j'ai commandé pour tout vous dire. Donc, bon. Ah yes, c'est mon t-shirt large. Il est trop beau. Merde, ça c'est devant.
Donc il est super basique. Le devant il est super simple, c'est ce que je recherchais. Et le derrière par contre il est trop beau. Je vais essayer ça tout de suite. Transition. Je l'ai essayé. Bon, il est un peu grand. Mais bon, je vais vous montrer. Moi je le trouve trop grand, mais franchement il est beau. Ça c'est vraiment pour le sport, genre ça pourrait être une tenue de sport, genre, vous voyez. Je sais pas trop si vous voyez bien. Parce que comme je suis debout, peut-être si je suis assise. Pas si vous avez vu plus mes pieds que le t-shirt, mais comme vous pouvez voir, vraiment c'est des manches longues. Le bail, genre je pourrais le mettre en hiver, c'est des manches longues. Alors que les manches, ça devrait être là en fait. Et pourtant c'est du XS, mais bon. Pas grave. Moi, pour ceux qui savent pas, j'ai des super petits bras, donc c'est normal, pas de problème. J'ai envie d'un bas là, j'ai trop chaud. Je vais prendre ça. Je sais pas ce que c'est. Je crois que c'est encore un haut, mais c'est pas grave. J'ai vraiment chaud, ce qui tient trop chaud le jogging. Il est trop bien, il tient super chaud, franchement, c'est trop bien. En fait, j'essaie de me dépêcher un peu parce qu'il fait super nuit, la luminosité elle doit être claquée. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, okay, ça c'est un t-shirt manche longue. Elle baignade, je vais vraiment avoir froid. Waouh, wow, j'ai trop froid là. Bon, c'est un t-shirt manche longue comme ça. Vraiment, j'ai pas de t-shirt manche longue pour l'hiver, donc je trouve ça super bien. Et en plus, c'est un tissu léger. Donc ça, c'est cool. Donc on va le mettre sans plus tarder. Donc je viens de l'essayer et juste je me suis rappelé d'un détail. La tenue juste avant, je vous ai dit que je pourrais le mettre pour le sport, mais non. Parce qu'évidemment, pour le sport, on est obligé de mettre le t-shirt de l'école. Super! Bref, du coup, je viens juste de l'essayer et franchement, je trouve ça super beau. Je le trouve magnifique. J'ai hâte d'enlever ça, mais bon, tranquille, je vais vous montrer. Regardez, mais bon, encore une fois, les manches, elles sont un peu trop longues. Mais bon, après, c'est pas grave, je fais ça et ça va. Donc, je vais vous montrer le derrière. Bon, le derrière, il est classique, mais j'aime bien. Parce que franchement, je le trouve super beau. Enfin, il est trop beau, regardez les détails et tout de Californie et tout. Enfin, après, ça fait un peu pyjama, mais franchement, j'adore. Ça pour aller à l'école, on est grave à l'aise. Depuis tout à l'heure, j'en reçois des messages de mon groupe de classe, j'en ai marre. Bon, on va continuer avec ça. Ça m'a l'air très moche. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais on dirait un peu bicolore. Il faut savoir que ma mère, elle a choisi des articles aussi. Que je n'ai pas trop regardé. Elle a sélectionné des trucs. En même temps, comme ça fait un peu un shopping à l'aveugle. Alors. Déjà, c'est un crop top, on dirait. Ça, je crois que c'est ma mère qui l'a choisi. Hein. Moi, j'aurais pas pris un truc comme ça. Ah non, ok, je sais ce que c'est. Ouais, elle m'avait dit. Elle m'avait pris un truc comme ça, elle m'avait dit. En gros, regardez, en fait, c'est une jupe éventail comme ça. Donc, ça, je savais pas que c'était une jupe comme ça. Vous voyez, vous l'attachez comme ça. Et en fait, là, il y a le top qui va avec. Je vais pouvoir me changer. Donc, j'ai trois. Donc, je le fais maintenant. À toutes. Ça y est, j'ai essayé. Je suis trop fan. Bon, là, c'est mon père qui m'a un peu aidée. Parce que je savais pas mettre. Je vais vous montrer parce que vraiment, c'est super joli. Donc au niveau de la jupe, on est sur quelque chose de comme ça. Donc plutôt pas mal. Le dernier. Je peux me tourner, waouh! Vraiment, quand j'étais petite, j'achetais que des robes qui tournent. Je détestais les robes qui ne tournent pas. Voilà, petite anecdote. Et le haut, en fait, je m'attendais à ce que ce soit crop top, mais en fait pas du tout. Donc ça, c'est grave cool. Du coup, je pourrais le mettre à l'école. Donc je pense que je m'habillerai comme ça demain. Donc demain, on est vendredi. Donc voilà, ça fait super. Classe, je trouve, enfin, genre ça fait trop beau. Donc voilà, après on peut aussi rentrer là, mais je trouve après on voit trop que là c'est une démarcation et je trouve ça dommage. Mais bon, après la tenue en soi elle est super belle. Et aussi, depuis tout à l'heure, ce que j'achète ça correspond exactement à l'annonce et ça, je trouve ça plutôt marrant. Voilà, parce que c'est rare pour ceux qui commandent souvent sur Shein, je pense que vous le savez. Il reste deux choses, enfin trois parce qu'il y a un petit plus, je vais vous montrer après. Et je vais continuer avec ça parce que c'est violet et ça change, je trouve, du violet. Et après, il y a l'article que j'avais le plus hâte de commander. Donc voilà. C'est un body, ça je sais. Ah ouais, ok, il est trop beau. Waouh. Oh mon Dieu, il y avait un éclair de ouf. Donc c'est un body comme ça. Donc pour ceux qui connaissent mon amour pour les bodys, ben, vous connaissez mon amour pour les bodys. Je trouve ça super à l'aise et super confort. Enfin, super agréable à porter quoi. Et il est hyper élastique comme ça. Donc je pense que ça va être super classe. Super beau et tout. Donc on va essayer de suite sans plus tarder. C'est parti. Alors, j'ai essayé. Je sais pas si je l'ai bien mis. Je vous avoue. Parce que je sais pas trop comment ça se met. Je sais pas en fait si ça doit se mettre
comme je l'ai mis différemment, donc je vais vous le montrer de plus près. Donc on part sur du comme ça. Le derrière c'est inutile parce que c'est pareil le devant et le derrière. Donc voilà, je vais juste regarder et vous dire si je l'ai bien mis. Bah mon père m'a dit que c'était super joli, je l'avais bien mis, donc bon. Ok, on finit avec le dernier article et le petit plus. Donc je vais faire les deux en même temps. Donc c'est parti. Donc le dernier article, vraiment vous allez voir, c'est trop beau. C'est un body mais incroyable, regardez-moi ça. Il est pas trop beau. Attendez. Si même moi j'arrive pas à le mettre, ça va pas le faire. Alors. Bon là on dirait que c'est moche, mais porté c'est vraiment beau. J'essaye de bien le mettre pour bien vous le montrer. Ouais. Ça, en fait c'est un truc comme ça. Oh, vous allez voir porter parce que là je comprends rien. Et le petit plus, donc j'ai commandé un bandana. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous devez savoir que quand j'étais petite, j'avais une passion pour les serre-têtes, les bandanas et les trucs comme ça. Et ben là, je vais vous recommander un bandana parce que les bandanas, vraiment, c'est la vie. Et j'en avais déjà commandé une fois sur Shein et c'était juste canon. Ben, après, pour ceux qui savent sur Shein, tout est canon de toute façon. Mais vraiment, ça, c'était encore plus canon. Donc, voilà, voilà. Ça a l'air super grand comme ça. Je sais pas pourquoi c'est si grand, mais je pense que porté ça sera moins grand. Genre je vais essayer de lui mettre de sorte à ce que ça fasse beau. Et si j'arrive pas, bah je vous le montrerai pas. Parce que je ne sais pas mettre un bandana. Je vais essayer de me débrouiller pour savoir le mettre. Attendez, on va essayer en vidéo. Donc je plie comme ça. Et je pense après je replie comme ça, mais là ça fait comme ça. Vraiment, je vous jure, moi, il est dans le... Je pense que je vais pas vous le montrer porté. Mais en tout cas, il est comme ça. Regardez, et c'est du satin. Donc, j'adore. Et après, on peut même le mettre en petit foulard comme ça. Genre et tout. C'est trop beau. Ouais, je vais essayer le body parce que c'est un peu pour ça que je suis là. Alors, en fait, au final, je suis plutôt déçue parce que je m'attendais à ce que le col, il rende mieux. Sur la photo, il rendait vraiment mieux sur le mannequin. Donc, je suis un peu déçue. Je pense pas que je vais le garder. Bon, je vais vous montrer et vous me donnerez votre avis dans les commentaires. Comme ça, vous me direz si ça vous a plu ou non. Donc, c'est parti. Regardez, ça fait comme ça. Je sais pas trop. Je vais me regarder dans la glace 2 secondes. Oh mon dieu, des éclairs. Je sais pas. Franchement, je suis un peu déçue de cet article. Et en fait, au final, j'ai grave envie de vous montrer les bijoux. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. J'ai commandé 4 accessoires. Je vais me rapprocher. Désolée, vous allez avoir un gros plan sur ma grosse tête. Donc. Et je précise que ma chambre, je vais la refaire parce que là, c'est une catastrophe. Je le sais d'avance. Pas besoin de me le dire, ok? Donc, pour ce qui est du collier, il est sublime. Je vais vous montrer de plus près. Il ressemble à ça. C'est un collier Zadig et Voltaire en fait. J'essaie de faire la mise au point là, ça fonctionne pas. Ah, voilà, il brille et c'est des ailes de Zadig et Voltaire, vous avez vu. J'ai commandé la bague qui va avec, mais en fait je me suis trompée. J'ai pris une en or et en fait il fallait que je prenne en argent, je suis trop bête. Je vais la mettre. Oh waouh, c'est trop beau. Je suis fan, je vais la garder, je vais la mettre demain. C'est vraiment, elle est trop belle. Et ce qui est bien en fait, c'est que vous voyez, on peut la régler. Et ça, c'est super cool. Genre, on peut la grandir, etc. Et ça, je trouve ça vachement bien. Je trouve que bah, c'est mieux en fait. Ah, je baisse la luminosité pour essayer. En fait, l'iPhone 13 Pro Max, il a une bonne qualité de base. Hein. Bon, vous avez vu. Ensuite, j'ai commandé un magnifique serre-tête. Alors là, franchement, je suis fan. Je n'ai jamais de serre-tête. Genre, j'en ai mis une fois dans ma vie. J'en ai jamais, vraiment, jamais, jamais. Mais regardez, c'est trop joli. Ça fait super joli. Bref. Trop joli. Je pense que je vais le mettre demain. Et pour finir, un petit bracelet Forever. Du même style que j'avais acheté au Chouk.
au souk, je sais pas comment vous dites, souk, c'est un peu la même chose de toute façon. Bon, moins bonne qualité, hein, par contre. Là, c'est pas made in Marocco. Mais super beau quand même, donc tac, tac. Voilà, trop joli. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo... Ah, les éclats, j'ai trop peur. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et vous pouvez partager ma chaîne sur vos réseaux sociaux. Gros bisous. Moi, okay, je vous retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine et je vous fais plein de bisous. Je vous aime.